La communauté urbaine de Komono, dans le département de la Likoumou, n'a pas été à marge de la célébration du 64e anniversaire de la proclamation de la République du Congo le 28 novembre 1958. L'événement a regroupé tous les corps constitués de la communauté urbaine. L'occasion de se rafraîchir la mémoire sur cette date historique. Nos impressions sont tout à fait bonnes. Bonnes dans la mesure où, d'abord, les populations ont répondu très massivement à l'appel de Madame l'administrateur maire. C'est pour montrer déjà leur attachement aux acquis de la République. Ensuite, quand il faut parler de l'événement lui-même, l'événement en soi, ça a été, comme les autres l'ont dit, une réussite. Une réussite. Tout le monde est sorti très content et cela marque, comme nous l'avons dit tantôt, l'attachement de la population aux idéaux de la République. Nous en sommes très contents. Après quoi, Madame le maire s'est félicitée de la mobilisation faite autour de cette journée historique à Komono. Effectivement, il y a l'engouement. Vous avez vous-même vu que tout autour de là, il y a plein de gens parce que tout le monde voulait bien intégrer ce site pour vivre cet événement ensemble avec ceux qu'on a invités. Et que, bon, vous avez vu que tous les quartiers sont représentés, les secrétaires, les chefs de bloc, les présidents des quartiers, donc chacun a conduit son équipe. Le comité du marché, il est là pour vous dire que tout ce que nous avons invités ont répondu présent à cette cérémonie. Ce rendez-vous a permis aux populations de la communauté urbaine de Komono de s'unir autour des idéaux de la République.